Messieurs, dames, bonjour, c'est Sean Kazma, j'espère que vous allez bien, de retour aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur AC Bloodline. Nouvelle session, nouvel épisode, et aujourd'hui on s'apprête à engager la mémoire numéro 4. Alors je rappelle que je fais par épisode une mémoire, donc on avait calculé la série au nombre de 6 épisodes, à condition que les choses se passent comme il faut, à moins que la séquence mémoire 7 soit mêlée à la séquence mémoire 6. Mais dans ce cas-là, je peaufinerai en temps et en heure. En attendant, messieurs dames, je récupère pas mal de pièces et j'avais au total 564 Bezos, n'est-ce pas? La monnaie de Amazon, toi-même tu sais. Et il fallait que je termine ma barre de synchronisation. Donc ça y est, j'ai les 10 points de vie, je suis full life, je peux pas avoir mieux. Donc à partir de là, on va être pas mal. Anonymat plus rapide après dissimulation. Ouais, mais ça, c'est à condition que je me cache, en fait. Ouais. Alors, c'est pas mal, mais c'est pas mal... Enfin, c'est-à-dire que, en gros, l'idée, c'est quoi? C'est que si t'es poursuivi et que tu dois te cacher, tu te caches. Et en gros, au lieu de mettre 10 secondes, ça va en mettre 5, tu vois. Sauf que, vas-y, déjà, soit je me cache jamais, soit dès que je me cache, c'est pas foncièrement long, donc foncièrement chiant. Les couteaux de lancer. Alors, les couteaux de lancer, c'est bien, mais pour le moment, je m'en sers pas des masses. Par contre, Altaïr inflige plus de dommages. Ça, c'est pas mal. Et d'ailleurs, c'est tout ce qu'il y a? Ah, putain, oui. Oh, la vache. Ah bah, ok. Eh bah tip top, bah écoute, tous les points vont partir là-dedans au bout d'un moment. Anonymat plus rapide après dissimulation. Oh, vas-y, je le prends, il coûte 50 pesos le truc. Au bout d'un moment, arrête de te foutre de ma gueule. 5% de chance de porter un coup critique. Vas-y, tu sais quoi. Ok, donc attends. Calculons. La première fois que je l'upgrade, il coûtait 200. Là, il coûte 250. Ça veut dire que la prochaine fois, il va coûter 300. Donc, il me manque 550. 625. Du coup, je fais le total. Hein. 625. 725. 825. Si j'arrive à avoir à peu près 850 points, je devrais être capable de faire l'entièreté des upgrades restants du jeu. Bon, écoutez, messieurs dames, replongeons-nous Altaïr, dans l'histoire et allons-y. Nous avons essayé de les repousser, mais en vain. Ils ont emmené Maria, je crois. Ils ont emmené tout le monde. Je voulais les en empêcher, mais j'ai dû me cacher. Ils étaient trop nombreux. Tu n'as rien à te reprocher. Ces Templiers sont rusés. J'ai entendu dire qu'ils exploitaient les pouvoirs d'un oracle noir à Buffavento. C'est peut-être ainsi qu'ils nous ont trouvés. En voilà une curieuse théorie. Moi, je crois plutôt que c'est Barnabas qui les a prévenus. Barnabas? C'est impossible. Barnabas, le chef de la Résistance, il a été tué la veille de ton arrivée. La veille? Tu en es sûr? Altaïr, les Templiers vont bientôt exécuter nos hommes. Il faut les en empêcher. Bon, messieurs, dames, allons-y. Alors, c'est peut-être trompeur, mais les deux séquences mémoire à venir, donc celle qu'on est en train de faire actuellement et la prochaine, sont les plus courtes du jeu. Donc, si on gère bien notre coup, ça devrait être les épisodes les plus courts. Par contre, si on gère encore mieux notre coup, j'ai commencé un peu plus tôt aujourd'hui les Kazma, donc sur Twitch. Je rappelle, hein, tu as un lien dans la description YouTube pour nous rejoindre si jamais tu veux agir dans cette aventure, dans ces aventures, notamment sur le marathon AC. Bref, normalement, je devrais boucler le jeu, je l'espère, parce qu'il est pas long. J'ai checké par rapport à ma playlist d'époque, j'en suis à l'épisode 6 sur 10. Donc en vrai, ça le fait. Alors, empêcher l'exécution au marché de Kirenia. Ouais, à l'époque, j'avais fait 10 épisodes. Et là, j'ai déjà fait globalement à peu près la grosse première moitié du jeu. Allons-y, messieurs, dames. Let's go. J'ai une vraie question par contre. Attends. Parce que à partir de maintenant, on va revenir globalement dans des segments de zones que j'ai déjà visité. Kirenia, toi-même, tu sais. Mais je me demande si je vais par là-bas. Est-ce que j'ai le point d'observation? Et donc, est-ce que si j'ai le point d'observation, j'ai déjà effectué les activités, tu vois? Juste que je fasse un point. J'ai pas fait le point d'observation. Pourquoi j'ai pas fait le point d'observation? Et si je l'ai fait, ce point d'observation? Attends, c'est un bug? Attends. J'ai besoin de savoir.
Excuse-moi YouTube, hein. Je prends 2 minutes. Je refais ça. Parce que ça va vite. Attends, il t'annule tes points d'observation pour que t'aies à nouveau des choses à faire? C'est ça le bail? Attends, parce que je vais checker. Si c'est vraiment ça, c'est couillon. Attends, monte là-dessus. Monte là-dessus. Monte là-dessus. Oh, il est con. Oh, il est con. Ah, c'est bon. Alors, attends. Si c'est vraiment ça, si le principe, c'est qu'à chaque mémoire, on te retire tes points d'observation que tu as déjà effectués juste pour remettre de l'ordre. Non, c'est bon. Ok, perfect. Bah écoutez, je sais pas. Pourquoi ils m'ont retiré mon point voilà. d'observation, c'est complètement con. D'ailleurs, c'est quoi l'intérêt? Ah là, là là, par contre, ça fait plaisir. On a nos 10 points de vie. On fait plus de dégâts qu'avant. Où est-ce qu'il court aussi vite? Normalement, ça devrait bien se passer. Et au passage. Ah ouais, non, ça par contre, ça va être chiant. Faut que j'arrive à pêcher aux 825 pièces en sachant que toutes les pièces que j'ai déjà récupérées sont déjà récupérées. Ça va être technique. Ah, ça va être technique de ouf. Hein. Attends, c'est où? C'est pas par là. C'est juste à côté. Bonjour! Faites pas attention à moi! Je ne suis qu'un assassin qui court! Ah! Et bienvenue aux casemins qui nous rejoignent! Welcome back! Alors, que se passe-t-il? Je suis déjà venu ici ou pas? Je ne dis rien. Ah, attends. Bonjour. Arrêtez de me poursuivre. Commencez pas. Ça va le faire. À condition qu'on me lâche rapidos, ça va le faire. Ah. Je n'aime pas qu'on me poursuive. Alors attends. Oui, alors je peux faire ça aussi. C'était pas le projet de base, mais let's go. Et du coup, genre ça a vraiment augmenté mon temps de cachette, enfin je veux dire le temps de diminution. J'ai pas vu la diff. Ok. Tac tac tac. Putain mais j'ai l'impression de l'avoir déjà fait lui aussi. Ah quoique. Non quoique. Peut-être pas, ça me faisait penser à autre chose. Attends. Eh tu sais quoi, on va le savoir. C'est live matinal, c'est juste pas possible. Il y en a qui dorment le matin. Oui mais alors c'est ce que j'expliquais la dernière fois, c'est que moi mes streams je les fais en fonction de madame. Et que du coup ses horaires en ce moment c'est des horaires de journée. Et vu qu'elle finit à 16h et que c'est moi qui vais la chercher au travail, il faut que je puisse avoir le temps de faire mes trucs quand même. C'est ça où je vous fais des streams de 2h hein. Moi je veux bien mais on n'avance rien hein. L'assassin, le voilà. C'est à nous. Allons-y. En fait, t'es obligé de te prendre un coup quasiment à chaque fois. Alors, est-ce que j'ai des vrais dégâts d'augmenter? Peut-être. J'ai pas l'impression de la vérité. Hein. J'ai une cible. Une cible qui est en fuite. Toi. À toi ma cible. Ah ma cible, c'est attends, c'est les mecs à libérer au moins. Oui c'est ça. C'est ça. Ok bien wesh. Messieurs. Arrêtez l'assassin! Ah non! Ah bah non! Ah bah non! Ok, on est en garde. Putain, hé! Pourtant, j'ai activé le contre, hein! Mais il s'est pas fait. C'est pas grave. Ok, on tente quelque chose! Premier contre parfait du jour! Premier contre parfait du jour! Nya! Raté. Allez, messieurs! Voilà, ça dégage. J'ai en train de réfléchir à cette histoire de points, mais je pense qu'on va pas réussir à les faire. Écoutez, je vais faire au mieux, si je les ai tant mieux, si je les ai pas tant pire. Mais 825 points en sachant que j'ai récupéré jusqu'à présent quoi, 1000 points, truc comme ça. Mais putain ouais c'est chaud hein. Parce que jusqu'à présent j'étais dans la découverte des pièces. Là si j'ai déjà toutes les pièces, enfin en globalité, je veux dire je vais pas m'amuser volontairement. Nya allez me perdre pour les pièces. Ça va être casse-couille, ça va être casse-couille, je sens que ça va être super casse-couille. C'est pas grave. Intercepter le bourreau templier qui prend la fuite. Merde. Yala ! Arrête de prendre la fuite ! Et l'idée c'était peut-être de l'intercepter avant qu'il soit à l'autre bout du monde. Hein. Ça peut marcher. Oh tiens, un marché couvert. Wesh ! Y'a un marché. Ah, il est là ! J'ai même pas fait exprès ! Eh bah, trop bien. Ah, attends, y'a un mec derrière moi.
Retourne à la cachette secrète. Alors oui, mais... à condition qu'on me laisse courir. Ok, on est bon. Oh, tout ce que tu veux, des pièces ici. Donc ils ont fait un marché couvert. Ok, pas mal. Par contre, je vous avoue, oui, bah oui, ça rend pas aussi bien parce qu'il n'y a pas autant de... de PNJ. Il y a des personnes qui continuent de me demander. Je rappelle que tous ces jeux là je les fais soit en émulateur, soit dans leur version maximale disponible. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé pour Assassin's Creed 1 comment on faisait sur PS4 pour l'avoir. Sur PS4 le jeu n'est pas disponible. La Xbox, la raison pour laquelle je l'ai pris, et je le rappelle, c'est pour la rétrocompatibilité. Parce que ça permet justement de rejouer à des vieux titres. En fait, tu peux rejouer à tous les gros jeux du catalogue Xbox. C'est quand même balèze, tu vois. Et en plus, ça optimise les jeux. D'ailleurs, j'ai appris récemment, parce que je comprenais pas pourquoi je trouvais le jeu aussi beau. Et par hasard, j'ai découvert qu'effectivement, la version Series X ne fait pas qu'optimiser, mais elle améliore les jeux. C'est pour ça qu'on a cette impression de jouer à la version PC, en fait. Mais en version stable, posée et tout sur sa console. Parce que littéralement, c'est une version équivalente, en fait. Peut-être même une version supérieure. Parce que la console, elle fait Marcos, le taf de ouf. Hein. Certains de tes hommes sont pas trouvables. Moi, la Series X. Ils sont sûrement détenus à la prison du port. À moins qu'ils ne soient tous à Buffavento. Nous devons en avoir le cœur net. Le temps presse, Marcos. Après leur journée de travail, la plupart des geôliers vont noyer leur chagrin dans le quartier du port. Tu en apprendras plus là-bas. Toujours aucun signe de Maria? Non. Tu crois que ta compagnie lui manque? Je lui manquerai quand elle saura qui sont vraiment ses anciens amis. Retrouve-moi plus tard, devant les portes de Buffavento. Les portes de Buffavento. On dirait les portes d'un resto. Interrogez le garde de la prison, trouvez le garde de la prison aux portes de Kirenia. Oui, mémoire mise à jour. Allons trouver le gardien de prison. Let's go. Par là. Tadam, tadam, tam, tam. Donc ouais, hein. Je pense que vraiment ça va être les mémoires les plus rapides. Et donc les épisodes les plus rapides avec ça en plus. Oh, tu sais quoi? Allez, je vous fais ce cadeau. Si jamais on finit la mémoire avant 40 minutes, je vous fais le luxe de faire un épisode un peu plus long pour qu'on fasse deux mémoires en une et donc qu'on gagne un temps pour les épisodes. Pour moi ça change que dalle, hein, à part le fait que je fasse pas l'intro. Pour vous, par contre, ça change. Pas loin d'être ici. Tu me menaces. Oh, oh, ça met des vraies patates. Continue et tu vas le payer très cher. Tu ne sais même pas comment on s'en sert. Ça parle mal. Alors, frappez le garde de la prison pour le faire parler sans vous faire repérer. D'accord. Alors, attends, juste. Personne. J'ai vu un garde. Non. Oh, c'est pas vrai. Je l'ai vu, le garde. Il est arrivé au dernier moment, salaud. Salaud, compte de toi. Mais du coup, je dois attendre jusqu'où? Ah ouais. Et le problème, c'est que je regarde sur le radar, mais il pop au fur et à mesure, en fait, les mecs. C'est chiant. Allez, go. Par contre, pour les vraies phases de jeu de ce genre, vivement AC2. Ok. Alors, premier garde, esquive. Fais attention, le poing est bien armé. Surtout pas d'imprudence. Le poing est bien armé, mode érudit. Putain, il est toujours excité l'autre derrière. Là ! Ré ! Ré ! C'est bon. Trois patates et puis s'en vont. Alors montre ton visage ! Pardonnez-moi, sergent. Le vin m'est monté à la tête. Je vous ai pris pour l'homme qui m'a volé mon travail. Hein ? Où étais-tu affecté? À la chapelle de Buffavento. Jusqu'à ce que Bouchard me découvre ivre-mort. Oh. Ça ne devait pas être drôle de côtoyer l'oracle tous les jours. Moi, je travaille à la prison du port. Je surveille ces pourritures de la résistance. Ils sont toujours là-bas? Oui. Et ils n'ont aucune chance de s'évader. Seul un templier détient la clé. Il se trouve à l'avant-poste des croisés. S'il la perd, ces imbéciles sont certains de finir leur jour en cellule. On ne peut pas courir ce risque. Oh bah c'était gratuit. Oh bah c'était... c'était complètement gratuit même. Alors attends, voler les clés du geôlier. Eh bah let's go. Let's go. Cette mémoire elle est très très bien partie pour se finir vite. Allons-y, Alonso. Ah, moi si on peut gagner du temps, chaud hein. Alors attends. On va retourner dans le quartier de cette mémoire, je crois, justement.
l'occasion peut-être de trouver des pièces. Putain, je suis toujours à 0 pièces par contre, hein. Un délire. Oh, je suis à 0 pièces. Ouah, c'est ch... Hein. Ah non, attends, je suis jamais venu. Ah, je suis jamais venu. Alors attends, c'est un autre délire ça. Parce que si je suis jamais venu, c'est qu'il y a forcément des choses à faire. Ah, reste pas là. C'est pas moi. C'est pas... Ah bah là. Pas vrai. Oh, je me rappelle de cet échafaud. Je me rappelle d'ailleurs à l'époque que ça m'a mis des bâtons et rouges. Ah, attends, par où je grimpe? Ah. Oh, attends. J'ai vu un truc. Je crois que j'ai vu la pièce d'or. Les gars, si on a vu la pièce d'or, on a juste vu la pièce qui vaut le plus. Donc à partir de là, meilleur bail. T'en fais voir. Oh putain, y a la pièce d'or. Ah. Attends. Se calme. Mais what? Gros, y a un pont, marche droit. Ah, attends. Ok, tac 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 tac. Oh les gars, on a même eu un trophée. Parce qu'on a ramassé 5 pièces d'or. Ah mais du coup attends, vu que j'ai ramassé 5 pièces d'or, c'est un trophée qui donne des pièces ça? Trop bien. J'obtiens une méga pièce et j'obtiens un trophée qui me permet encore de gagner des pièces. Attends, comment je fais pour monter toujours plus haut? Par là. Ok, j'ose pas trop courir hein, je vous avoue. Tac tac tac. Ok. Ok. Oh, oh la pièce d'argent. Ça y est, ça y est. La moula est là. La moula arrive. La moula débarque. Ah, attends, petit point. Petit point, petit point, petit point. Donc moi je vais là-bas. Hein. Ok. Ok. C'est pas fameux. Hein. C'est pas fameux, c'est pas fameux. Ah. Alors, c'était pas ça le projet de base. Je tiens à le dire. Bon, je suis un peu deg. C'est pas grave. J'y retourne. J'y retourne, j'y retourne. J'y retourne, heureusement je me rappelle de la route. Et bah c'est mal barré pour faire de mémoire en un épisode hein. 40 minutes, ça me paraît un peu serré l'anus. Ok, donc là on a dit droite. Tac tac tac. Et normalement, allez là. Let's go. Salut bébé. Allez, prends-la. Voilà. D'ailleurs, limite, si je me laisse crever, ça va presque plus vite en fait. Ouais, flemme. Les mains gîtes. Ah, ok, bah. Oh, oh, bien joué. Quel beau gosse. Quel beau gosse, quel beau gosse. Qui l'eût cru? Pas moi. Non. Lâchez. Putain, comment il y a 3 PNJ, mais ils sont encore plus chiants qu'avant? Ça, c'est vraiment à cause du contrôle de caméra, hein. Hein? Oh! J'ai fait une esquive parfaite! Mais wesh! Eh ben écoutez, la perfection masculine. Bonjour! Altaïr. Oui. Un misérable moine qui officie dans l'avant-poste trahit le secret de la confession et rapporte aux Templiers tout ce qu'il apprend sur la résistance. D'accord. Il faut l'empêcher de nuire. Ah ah! Ok. Objectif élimination. Hey, par contre, ce qui est cool, c'est que quand t'as des trucs d'élimination. Putain, mais les gars, je me tape tous les gardes. Oh. Ce qui est cool, c'est que quand t'as des trucs comme ça. Ouais, tu dois pas rendre des comptes. Donc, du coup, ça me rapproche non seulement de l'objectif, mais en plus, j'en accomplis un autre, tu vois. Et ça, c'est pas mal. Donc, ce gars-là, il est en train de fuir et. Et bah, je dois juste lui niquer les genoux, en fait. Hey, cowboy! Je te tue et puis s'en vont, non? Ah mais là on m'a vu. Ah non c'est bon, hop parfait, 30 pièces. Plaisir d'offrir. Voilà, allez hop. Voyons voir. Il y a un petit truc à accomplir par là. Non, casse-toi, salopard. Voilà. Templier. Yeah, yeah. Nos preux chevaliers, toujours à vos côtés. Les assassins. Ah, sont en déclin. Attaquez. Attaquez. Attaquez mieux que ça. Attaquez mieux que ça que j'ai dit. Nya. 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 Salaud. Salaud. Salomère. Fils de pute. Ouh. Let's go. Vous m'avez sauvé la vie, l'ami. Soyez en remercie. Un plaisir. Un plaisir. On n'a pas le cumul de nos pièces avant de revenir en dehors, hein.
Non, il n'y a pas. Bon, écoute. Là, je dois en être à une petite centaine de pièces. On est pas mal. Alors, attends. Ma cible est dedans. Y a pas moyen que je rentre sans avoir des problèmes. Attends, peut-être par là. Oui, oui, il est bon. L'air de rien, on rigole, mais dans ce AC-là, oula, on saute bien plus haut qu'avant. Tac, 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 tac. Ah merde, oh mais non. Bon, bah, ça valait bien la peine de passer par derrière. Hein. Oh, je suis déçu. Allez, allez, Taras. Ok, attends. Ma cible est là. Enfin, je crois. Quoi? Mais dis-toi! Allez! Voilà. Attends. Il est où ma cible? Là-dedans? Non, elle est pas là-dedans. Attends, je comprends pas. Est-ce que c'est moi? Je ne sais pas où est ma cible. Je comprends rien. Ah! C'est là! Nya! 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 En fait, je t'ai arrivé quoi. Ok. On a l'info. Ah, Taïo! Alors, libérer les prisonniers de la résistance ou la prison au port de Kirenia. Encore? On y revient toujours à ce putain de port! Casse-toi! Merci. Ouais, en fait, on fait que des va-et-vient. Tac, tac, tac. Attends. Enchanté. Enchanté, enchanté, enchanté. Par contre, ça manque de saut de la foi, hein, la vérité. Allez, descends. Descends. Les gars, j'arrive pas à descendre. Descends. Putain, oh. Michel. Oh, c'est con. Oh, le con. Oh, le con. Oh, le con. Bon, au pire. Hein, voilà. Vous n'avez rien vu. C'était une strat. Ouais, il obéissait pas aux commandes. Gaspier, oh. Alors. Tuer les soldats qui défendent la prison. Ah merde. Ok. Tu es un soldat qui défend la prison, toi? Ah oui, il semblerait. Ah, par contre, les pirates n'ont rien à voir dans cette histoire. Je ne me sentais pas obligé de vous battre, les gars. Il n'y a aucun lien entre vous et les mecs enfermés. Hein. En termes d'apport, je veux dire. Enfin, je veux dire, voilà, casse-toi. Perfect. Alors, attends. Qu'est-ce que tu... Voilà. Hop. Et de deux. Tac, 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 tac. Et... deux, trois. Bien. Ça, c'est fait. Libérez les prisonniers. Allons-y. Messieurs, vous êtes libres. Vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'une femme a été capturée avec vous? Une femme? Oui, mais Shalim, le fils du taureau, l'a emmenée. Elle ne s'est pas laissée faire, je peux vous le dire. Partez vite. Vos familles vous attendent. Il ne doit pas s'enfuir. Ah, c'est à nous. Allons-y. Oh, c'est bon. J'ai mis le premier coup. Putain, c'est tellement rare. Je suis joie. Ok, ça va. J'ai été joie 5 minutes. Ça va. Et vous? Vous m'emmerdez, là, par contre. Ça commence à devenir chiant. Allez, frappez-moi. Voilà. Ça dégage. Et deux. D'accord. On te focus, on apprécie. Nya. Vous êtes coincé? Vous êtes coincé? Putain, ils sont coincés. Mais quoi? Non, c'est bon. Allez, venez. Venez, 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 venez. Hop, ça dégage. Voilà. Let's go. Merde. Let's go. On est bon. Est-ce que je peux partir?
je peux partir. Trouvez Marcos à l'avant-poste des croisés. Allons-y. Marcos, Paulos, on est bon. J'ai libéré tous les hommes. On va pouvoir passer à la suite. Marcos. Eh, je l'ai dit, hein, on en revient toujours dans ce quartier, hein. J'ai l'impression d'ailleurs que chaque quartier est en lien avec une mémoire en particulier. Bonjour. Tiens. Ah oui, Marcos. Je viens d'apprendre que d'autres prisonniers avaient été libérés. Oui. Mais Bouchard surveille les moindres faits et gestes de la résistance. Sois prudent. C'est cet oracle. Elle voit tout. Elle représente une menace. Il faut l'arrêter. J'ignore ce que cet oracle raconte aux Templiers. Mais s'ils ont réussi à faire parler le vrai Barnabas avant sa mort, ils l'auront sûrement fait parler elle aussi. Grand Dieu. D'après toi, ils auraient torturé ce pauvre homme. Une chose est sûre, je dois m'entretenir avec cet oracle. L'oracle, mais oui, assassiner la sorcière, on y est déjà ? Registre mémoire. Attends. Ah mais oui ? Mise à jour. Oh bah on est bon ? Incroyable ! YouTube, on est déjà à la fin de la mémoire ? Eh ben super. Eh ben normalement je devrais faire moins de 40 minutes. Ce qui veut dire que bah tu auras une mémoire double pour cet épisode. Damn ! Le perfect ? Par contre je vais totalement l'opposer. Attends deux secondes. Je t'écoute quand même rapidos les pièces. Ah ! Ouch. Putain, on perd tellement de vie ! Je suis en sucre ! Oh là, j'aurais dû garder mon siège ! Roulant ! The Gamers ! Il a l'air pressé celui-là. Ouais, effectivement, je suis pressé, oui. Pas par là. Je pensais qu'on pouvait taper à travers. Louillette, tout là. Là. Messieurs, dames, l'oracle. Je me rappelle que c'était un boss. Que j'avais bien aimé d'ailleurs. Tout l'opposé de Molos. En termes de design. Et en termes d'idées sur comment le gérer. Oh, il est bien ce niveau. Y'a pas un délire de il faut pas se faire repérer. Je sais plus. Oula, par contre y'a des archers et tout. Oh, ça va être compliqué. Tu le tues? Non, tu le tues pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Allez, lock-le. Qui est-ce qui court dans tous les sens? Non mais c'est une blague. C'est une blague. Je suis en train de marcher derrière lui. Je suis en train de marcher derrière lui. Il s'est retourné à la frame. À la frame. Oh, j'ai le mort. Ah, attends. Tac, tac. Tac, 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 tac. Sérieusement? Sérieusement? T'es retourné vers moi? Sérieusement, qu'est-ce qui définit ça? Voilà. Ah là là, les couteaux de lancer. Ah, ça marche les couteaux de lancer. Moi j'adore ça, hein, je l'ai déjà dit. Hein. Mais ouais, dans Bloodline c'est compliqué. Tac, 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 tac. Ok. C'est compliqué, mais ça se gère. Est-ce qu'on peut pas grimper? Je me rappelle que moi j'étais passé par là-haut à l'époque. Oula. Attends, ils sont deux. Ok. Moinzei. Il y a un mec chelou là. Attends. Voilà, Moinzei. Tac, tac, tac. On va s'en refaire un autre en plus. Voilà. On est bon. Petite pièce en argent. Ah, d'accord, c'est pour le scénar qu'il faut grimper, ok. Bienvenue aux Kazma qui nous rejoignent. Welcome back. On est sur la séquence mémoire numéro 4, je crois. Mais du coup, vu que ça se passe bien et que je devrais gérer la sorcière rapidement... vu que je suis en plein dans son nomination là, on va enchaîner sur une deuxième séquence mémoire histoire d'être. Ah merde! D'être bon. Ok, donc les gros te repèrent pas, par contre les petits oui. Ok, et ça joue sur quoi en fait? Ah! Aïe! Est-ce que le gabarit c'est ce qui fait le truc? Putain, je suis deg! J'avais tellement clean le truc. Quoi? Qui m'embête? Attends, deux secondes.
Ah, il y a un archer. Où ça? Un archer. Quoi? Oh putain, d'accord, mais il est tout au-dessus. Mais gros, enfin, t'es obligé de te la bouffer celle-là en fait si t'as pas vu la pièce et que tu vas aller la chercher. Merde. Voilà, merci. J'ai niqué un couteau. Oh, puis flemme. Hein. Gros, avec deux couteaux, tu fais le taf. Hein. Surtout que l'objectif de mes upgrades, c'est d'en avoir plus. Tiens, tu sais quoi d'ailleurs? Vu que les couteaux c'était genre 100 balles, il y a moyen, j'en achète plus. Alors, par où je vais? Par là. Tac, tac, tac. Ok. Allez, 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 allez. Yop là. Yop là. C'est tellement. On dirait pas, hein. C'est tellement plus maniable que Altair Chronicle, les gars. Je pense. Non, si, ça se ressent. Je meurs, hein, mais pas autant. Et à chaque fois, genre, c'est vraiment à cause de la caméra que tu peux pas manier. Hein. Donc par là, ça n'a aucun intérêt. Ok. Par là, donc. Et on continue. Ok, je passe par où? Bonjour. Ah, par là. Let's go. Let's go. Vers les hauteurs incommensurables. Encore? Oui. Je ne cesse de monter. Je suis pas au bon endroit là. Ah, c'est là, pardon. J'allais dire merde, qu'est-ce que je suis en train de faire? D'ailleurs, attends. Attends. Oh. Parce que ça m'a pas l'air très long comme niveau. Ouais. Alors en fait, bah pas vraiment. Putain. Et là du coup. Putain, comment tu fais pour descendre proprement? Ah! Oh, tu peux faire ça! Attends. Tu peux faire ça et repérer la pièce d'or. Attends. Mais oui! Mes meilleurs bails! Ok, lui là-bas. Let's go. Tac tac. On est bon. Si je dois avoir que deux pièces, faut au moins que j'ai une pièce d'or. Gars, une pièce d'or, ça fait toute la diff. Ok. Je vois des ennemis. Mais c'est... Oh putain. Eh, les éminations en courant, c'est chiant. À chaque fois, je me retrouve dans le même truc, c'est... Oh putain, ils ont des livres assassins templiers. Lol. Ouais, à chaque fois, ça me fait la même. Hein. C'est casse-pied. Tu peux pas courir si t'as un truc à enjamber. Il va forcément l'enjamber avant l'assassinat. C'est casse-couille. Ouais, je l'ai vu passer. Ok. Mais c'est pas par là que je veux aller. Sinon je serais venu par là. Attends. Merde, je suis perdu. C'est par où? Wesh. Attends. Si c'est pas par là, c'est par où du coup? Ah, par là. Attends, c'est un chemin par là? Oh, c'est pas clair de suite, hein. C'est par là. Il semble. Très bien. Tac. Ok, 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 ok. Oh, ça va être casse-couille, je sens de fuir. Ah. C'est bon. Bon, canal. Je pense qu'on est bon du sol, là. Let's go. Pièce en argent. Ok, respectable. Respectable. Oh, je me rappelle de ce niveau. Alors la fille s'est encore échappée. C'est bien ça? Quelqu'un l'a forcément aidée. Elle était enchaînée. Elle n'a pas pu se libérer toute seule. Ne me prends pas pour un imbécile, Shalim. Ta faiblesse pour les femmes n'est un secret pour personne. Tu as baissé ta garde. Et elle a su en profiter. Je la retrouverai, grand maître. Je le jure. Alors je te conseille de faire vite. Ou bien elle finira par mener l'assassin jusqu'à notre archive. Ah, autre chose, Shalim.
Fais parvenir ceci à Alexandre, à Limassol. Oui, grand maître. Alexandre est de mèche avec les Templiers? C'est désespérant. Bouchard a des espions partout. Il me semble que ce gars-là avec qui il conversait, c'est un contrat. Il me semble que plus tard, ça devient un contrat. Casse-couille. Vraiment casse-couille. Là, j'ai juste essayé de marcher. Hein. J'ai juste essayé de marcher. De trottiner et d'assassiner, mais casse-couille. Mais arrête! Oh! C'est bon. Sérieusement? D'accord, j'explique. Hein. En gros, j'ai essayé de le traverser parce que je me suis dit que ce serait plus rapide. Et en fait, non. Le jeu m'a dit non, m'a dit il est physique et ça marche pas. Pas de couille. Pas de couille, c'est pas grave, on assume, mais hein. Non, vraiment, course plus assassinat marche pas. Vraiment marche pas. Ok. Heureusement, je peux zapper tout ça par contre. Hein. Ying. Voilà. On prend le temps, on prend le temps. Le jeu est pas long. On fait les choses bien. Clac au clac. Voilà. On attend qu'il meure. Voilà, meurt plus vite par contre. Et là, tu peux y aller. Perfect. Tac, tac. Tac. Tu vas tranquille. Voilà. J'avais peur de courir, hein, honnêtement. Alors attends, l'objectif est là. Comment j'y vais? Ça marche pas, hein. Ok, trouver les clés de la prison inférieure. Par contre, on me dit pas si c'est en haut ou en bas. Enfin, c'est par là parce que ça me paraît logique, mais... Eh, quoique. Ah, d'accord. En fait, moi, j'ai pris le balcon parce que ça paraissait... évident, mais en fait c'était pas forcément la route de base. Ok. Par là du coup. Oula. Oui. Alors l'idée c'est de sauter en face là. Comment tu... Quoi? Ah d'accord. Pardon, j'avais pas vu. Ok. Nya. Ok. Et du coup toi là je t'ai comment? Juste comme ça. Let's go. Oh, tu m'as fait peur. Putain, Altaïr, s'il te plaît. Wouah, une pièce près. Attendez les gars, si je fais un full pièce, je suis full heureux. Que se passe-t-il? Ok. Et je suppose que c'est le gars torse nu qui a la clé, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que tu mijotes? Laissez-moi. Tu devrais ranger cette arme, ou je vais te la confisquer. Mais... Putain... Ça suffit. C'est chiant, quand tu vois pas... Ah bah d'accord. Ah ok, d'accord, donc en fait, si t'es repéré, t'es niqué. Ah là là, je vois rien. Je vois rien, c'est terrible. Mais je fais comment, là? Attends. Qu'est-ce que tu mijotes? Laissez-moi. Ah, il larque sa soldat, d'accord. Arme, ou je vais te la confisquer. Arrêtez, ça suffit. Encore un de ces fauteurs de troubles. Ok. D'accord. J'ai pas compris le problème. À la seconde près. À la seconde près. Au millième de seconde près. Ok. C'est pas si dur, mais vraiment, faut le frôler. Faut lui lécher le fiac. Et bon, on va lui lécher le fiac. Qu'est-ce que tu mijotes? Laissez-moi. Tu devrais ranger cette arme, ou je vais te la confisquer. Surtout pas. Voilà. Speedrun. Non, non. Attends, il était pas censé être là, lui. Si, c'est bon. Ok, 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 pardon. Pardon, tout va bien, hein. Tout va bien. J'ai stressé. Quoi? Comment ça, échec? Mais je fais quoi alors? Quoi? Hein?
Attends, je dois éliminer tout le monde. Qu'est-ce que tu mijotes? Sauf lui. Laissez-moi. Tu devrais ranger cette arme. Je comprends rien. Ou je vais te la confisquer. Je dois peut-être attendre qu'il ouvre les portes. Oh, c'est ça, je dois attendre qu'il ouvre les portes. Alors attends. Non. Mais tout à l'heure ça a marché. Mais tout à l'heure ça a marché. Faites pas d'efforts, les gars. Oh, c'est chiant. Putain, c'est trop. C'est trop de la perfection que vous me demandez que tu là. Avec trop peu de contrôle de l'environnement. Ou je vais te la confisquer. Ok. Ok. Je pense qu'il faut juste suivre le gars. Je pense qu'il faut juste le suivre. Mais éviter de se faire repérer. Pour pas se faire repérer, il faut tuer tous les mecs qui l'entourent. Ok. Ah, c'est ça, hein. En fait, il ouvre les portes. Voilà. Ouvre-moi la porte, merci. Tac, tac, tac. Attends, c'est casse-couille. Vraiment que j'attende qu'il soit arrivé jusqu'au bout? Oh là. Ok. Ok, petit garde sur la route. Comme tu sais. Voilà, ça occupe. Tu sais, sinon tu peux lui prendre les clés aussi, hein. Vraiment. Y a pas de nécessité à faire tout ça, hein. À part que c'est chiant. Ok. Tac, 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 tac. On avance. Voilà. Ouvre-moi la porte. Toi qui as la clé. Dépêche-toi un peu. Je suis quelque peu pressé. Il a ouvert là ou... Qu'est-ce qui court sur les sangs? Quoi? Bon d'accord. Ok. Ça n'a pas fait de la mission donc... Donc on est bon. J'ai pas compris. Alors, messieurs, dames, la sorcière. Ok. Elle est glauque, hein. Qu'est-ce qu'il y a? C'est cette folle. Elle est complètement déchaînée. Elle a déjà tué deux gardes. Qu'elle s'amuse un peu. Elle a fait ce qu'on attendait d'elle. C'est sadique pour rien, en fait, non? La sorcière. Bonsoir, sorcière. Du sang païen. Du sang païen. Je connais ton nom, pêcheur. Je sais pourquoi tu es ici. Que Dieu acère mes griffes. Que Dieu me donne la force de te briser les os. Oula, elle est pas très gentille, là, madame. Puisse le Seigneur me protéger. Ok, alors attends, je me rappelle pas. Comment c'est quoi ton point faible à toi? T'as pas de point faible en fait. Oula, j'ai compris. Par contre, t'as un truc au niveau de tes attaques là. Nya. Oula, mais attends, mais elle est méga chère. Reste cool, Raoul. Waouh. Pourquoi il y en a d'autres? Merde, j'ai pas mon épée. Pourquoi il y en a d'autres? Ça serait pas la sœur de Gouloum. Y'a un petit côté, hein. J'ai un PV. Mais... Oh, esquive. Compte, fais un truc. Mais j'ai même pas de PV. Je vais mourir. C'est je meurs, là, en fait. Bon, bah, je fais quoi? Comment je... Attends, ok. Premier boss qui me résiste un petit peu. Tac. Alors, ça sert à rien de faire le moonwalk par contre, chérie. Vraiment, le moonwalk ça t'apporte rien. Hein. A plus, elle tape son meilleur moonwalk pour au bout du compte s'arrêter devant toi presque. Ah, attends, je me rappelle pas comment je la faisais à l'époque. Ok. On va dire que c'est un truc de ce genre. Tu fais un coup et t'esquives. Ok, c'est pas mal. On a maîtrisé un truc. Ça va. Elle est sympa. Non, elle est cool. Moi, les boss dans le jeu, encore une fois, j'aime bien. Hein. J'aime bien le...
Par contre, je comprends pas cette phase. Genre, je peux faire un truc. Peut-être un truc de malade que je peux faire, mais je m'en rends pas compte. Merde! Putain, j'étais en train de réfléchir. Aïe. Par contre, j'ai pas ses combos. Hein. Oh putain, j'ai pas ses combos. C'est 3 coups. Ok. 1. Wow! Wow, wow, wow! Tu te calmes, chérie! Oula! Putain, méga dur! Ça va le faire. Ça va le faire. Patient. Patient. Aïe! Putain! Oh, lâche-moi! Là, je vais canner, j'ai 0 points de vie. Ok. En fait, t'as juste à faire ça, t'as juste à te protéger. Putain, t'as juste à te protéger, c'est nul! Moi, je jouais sur l'esquive! Non, elle est nulle, t'as clairement éclaté. À la limite, d'ailleurs, ils sont plus chiants, eux. Putain, oh! Putain, si t'arrives pas à faire le contre, tu prends le coup gratuitement. C'est bon, c'est bon! Allô, madame? Là! Madame! Je sais pas où aller, c'est chiant. Là. Arrête de moonwalk. Ok, un. Ok, un. Allez. On y va. Non, blablabla. Merde, j'ai voulu contre. Putain. Putain. C'est eux qui me tuent, hein. C'est pas la sorcière. Non. Je vais Mais non! Sérieux! Fais-le ton truc! Esquive! Oh! D'accord, en fait tu fais un contre-attaque. Et c'est esquive. Bien reçu. Nia! Mais bon, elle est finie. Non! Blablabla. Ok, un coup. C'est bon, c'est fini. C'est fini. Oh, quel boss de merde! Non, sympathique en soi, sympathique, mais quelle masse de merde quand même! Gloire à Dieu! Je suis son instrument! J'accomplis sa volonté! Je ne crains ni la douleur, ni la mort! Autrefois, tu étais une chypriote, une noble femme respectée de tous. Quel secret leur as-tu révélé? Je ne répands pas le malheur sans raison! J'obéis au Seigneur. Je suis son instrument. J'ignore ce que les Templiers t'ont fait, mais tu n'as plus toute ta raison. Je n'ai pas le choix. La question maintenant, c'est comment on sort. Ah d'accord. Échappez-vous du château du Buffavento. Pour moi, Buffavento, ça fait quand même très resto. Ah! Non. Fuyance! Fuyance! Ah! Fuyance! Attends, 2 secondes. Non. Je voulais regarder juste si la pièce qui me manquait était pas là! Cassez-vous! Bon, je suppose que par le balcon, ce sera trop compliqué. On va prendre l'escalier. Ah! Olé! Non, ah, c'est bon. Je passe! Ah bah si, c'était par là en plus. Les boules. Taillon. Mais quel beau gosse. Semez vos poursuivants et retournez à la cachette. Et bah allons-y. Et en fait je suis en train de regarder le timer. Mais fou. Et ça fait quand même 50 minutes hein. Non, 50 minutes pour une double mémoire. Enfin, ce que je veux dire, c'est que là, j'ai fait une mémoire. Si j'en fais une deuxième, je suis reparti pour la même chose. Non, ça va être trop long. Non, laissez tomber l'idée de la double mémoire. Ça paraissait une bonne idée sur le papier parce que je pensais vraiment que ça allait aller vite. Mais au bout du compte, ça pique un peu quand même. Ça pique un peu. Dans tous les cas, YouTube, les épisodes arrivent assez vite. Donc ne t'en fais pas, l'aventure, comme j'avais dit au début, se bouclera en 6 épisodes convenus. Et au pire, l'épisode final. Sera une mémoire, donc je sais pas, je m'arrangerai. Comme tout le monde. T'inquiète, on arrive bientôt à AC2. On va bientôt commencer le marathon Assassin's Creed, lol.
Non, c'est vrai que jusqu'à présent, en fait, la première trilogie Altaïr, c'est vraiment celle qui a le plus vieilli. Donc c'est la seule qui te donne pas l'impression de jouer Assassin's Creed. Mais même moi, hein, dans ma tête, on joue pas encore Assassin's Creed, là. Dans ma tête, je joue juste à un jeu qui s'appelle Bloodline. Même en termes de mécanique, surtout. Waouh ! Tout calme. Je suis coincé. Je me suis vraiment coincé dans un pauvre poteau. Putain, il y a 3 pèlerins dans la ville, 2 ennemis, et je me cale dans un putain de poteau. Ah ! D'accord, c'est pas exactement ce que j'avais en tête. Oui, non, pas vraiment. Grimpe. Wow. Grimpe, je la refais. Voilà. Tu ne peux pas tirer des flèches à travers des tonneaux. Humainement parlant, je parle, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est, j'ai essayé, hein. Vraiment. J'ai vu des choses. Tu te fous de ma gueule. Mais avance. Oh. Mais. Oh là là. Oh là là. Ça me saoule. Ça me saoule. Mais arrêtez de jeter des cailloux, je suis à terre. Je suis à toi, tu m'as compris. Lâchez-moi. Lâche-moi. Bordel. Le. Ouais, on va partir vraiment en upgrade couteau de lancer. Ça va faire tellement de diff. Et bienvenue aux Kazma qui nous rejoignent. Oh lolo. C'est bon. On me fout la paix. La paix, on me fout. La base. Ok. Ah, il est coussiné. Non, c'est bon. Oh. Eh ben. C'était dur quand même, hein. Phew. Mais ça y est. Mémoire synchronisée, mémoire terminée. Qui sont ceux qui étaient là avant? Qu'est-ce qui les a amenés ici? Qu'est-ce qui les a chassés? Que sont ces artefacts? Des bouteilles jetées à la mer? Des instruments destinés à nous aider et nous guider? Ou bien sommes-nous en train de nous battre pour le contrôle de quelques objets sans importance qu'ils auraient laissés derrière eux? Des objets dénués de toute signification divine? Registre mémoire mis à jour. Et bah voilà! Bon, bah YouTube, écoute, j'aurais bien voulu poursuivre. Pour te faire la mémoire d'après, mais j'ai peur vraiment que l'épisode soit trop long, en sachant que là on en est déjà quasiment à une heure de VOD. Il nous reste 3 mémoires à effectuer. La prochaine du coup sera au moins aussi courte que celle qu'on a fait aujourd'hui. Et encore, il y a court et court, parce que même si je t'aurais cut, je pense, un ou deux passages, pour le reste, ça fait quand même 50 minutes, hein, donc c'est pas si court que ça, tu vois. Mais c'est parce que vraiment, je prends le temps d'essayer de bien faire les choses, et c'est ce qui fait la différence. Je l'espère. Je te fais de gros poutous, j'espère que t'apprécies cette aventure. Très bientôt commence Assassin's Creed 2, le marathon va réellement s'envoler une fois que ce sera fait. Et à partir de là, je veux dire, bah let's go, apprécier Assassin's Creed réellement, voilà. Des bisous, ciao.